Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Marilyn LDP de Cuper. On se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fait un tout petit partenariat. J'avais une proposition courant juillet, quand on était revenu de vacances, j'avais accepté, sachant qu'ils avaient un tout petit budget de, je crois que c'était 14 ou 17 euros, enfin je sais plus. Donc aujourd'hui, j'ai reçu l'objet en question, donc il y en aura qu'un, donc ça va être un tout petit unboxing. Donc la boîte, enfin le vendeur c'est New Craft Day, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il a été envoyé le 18 août et je l'ai reçu le 25 août hier. Bon, sur le site vous verrez New Craft Day, j'ai pas ma tablette, mais je vous montre. Enfin, vous allez voir sur le site, il est en anglais, mais vous pouvez le traduire. Vous avez du DP, vous avez du point de croix et des objets en diamants spéciaux. Il est quand même bien varié. Je le trouvais tout petit peu plus cher que la normale, mais quand je vois l'objet que j'ai reçu, je me dis que ouais, ça les vaut parce que c'est de la qualité. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Allez, on découvre cet objet. Alors, pour les réticents, c'est un objet de Noël. Je sais, on est en août. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué parce que je suis une fan de ces petits trucs-là. Parce que vous verrez au fur et à mesure des mois qui vont passer, si je suis encore avec vous. Noël, ça a une grande importance pour moi. Enfin, la fête en elle-même, non. Surtout cette année, ça va être un peu particulier. Mais j'adore faire de la déco pour la Noël. Donc en fait tout mon meuble de salle à manger, il n'y a plus rien dessus et c'est que ma collection de Père Noël, mes petits objets de Noël et voilà. Donc du coup je pense que ce petit truc là, je l'ai montré à mon petit-fils parce qu'il était là quand on l'a reçu. Et il a dit oh, il est trop beau mamie, je le veux. J'ai dit non, il va rester chez mamie, tu le verras chez mamie, si tu veux tu le feras avec mamie. Donc voilà, on y va, allez go. Alors hop, bon vous allez dire c'est du déjà vu parce que j'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui auraient fait pas le modèle que je vais vous montrer parce que je ne l'avais pas encore vu, mais le style de défaut. On est en objet spéciaux. Donc, on a les diamants. Tadana. Je vous rapprocher un tout petit peu et vous basculer un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc, j'ai changé d'environnement. Je suis dans mon salon. On a un toolkit de base. Une barquette d'air, petite colle et stylet. Nous avons une petite cordelette, toute simple, hop, et je vous montre l'objet. C'est, attention, tadam, un petit gnome de Noël. Oh, il est trop mimi, j'adore. Oh là là, j'en ai plein des gnomes en plus, j'en ai en tissu, en poupée, en petite figurine pour Noël, j'adore. Donc, on voit que c'est très bien imprimé. Ça colle très bien, je l'ai regardé avec mon petit boy du coup, là, ici, ça colle super bien, donc c'est que sur une seule face, hein. Vous voyez, c'est sur une seule face, donc il y a les deux petits trous ici, voilà. Vous voyez, ici et ici, pour mettre la petite cordelette, et il y a tout à diamanter, hein. Il y a vraiment tout, juste l'entourage ici en blanc qui n'est pas à diamanter, mais tout le reste c'est à diamanter, hein. Il est super mimine quoi. Oh, j'adore. C'est trop beau. Donc, on va regarder les diamants ensemble. Donc, il y aura... Il n'y a pas la DMC. Donc, voilà. Il n'y a pas de feuille de route non plus. On va peut-être regarder à l'intérieur. Non. Pas de feuille de route. J'espère que vous allez bien. Bon, mais stylés n'ont pas durci. Hein. Donc, malheureusement, cette tournée-là, elle sera pas bonne. Quoi. On a essayé de faire un petit peu d'épée avec, mais ils sont trop mous en fait quand on tient le stylet. Hop, attendez, je vais prendre le stylet normal. Hop, vous voyez. Hop. Quand on prend un stylet normal, ça c'est rigide. Donc quand on le prend, ça ne bouge pas. Hein? Et je vais aller chercher les stylets. Attendez, j'arrive. Donc je vous reprends, je vais chercher mes stylets. Donc ça c'est le stylet que j'ai fait. Donc vous voyez, quand on le prend, quand on appuie. Par exemple, je vais prendre ça. Quand on appuie avec le stylet, en fait, il n'y a pas de... Comment dire, c'est pas assez dur, vous voyez? Je vous montre. Vous voyez, quand on appuie, ça se tord. Donc, c'est trop mou, en fait.
Mais sinon, moi, j'arrive à des pas avec, hein, mais c'est pas dur, quoi. Donc, du coup, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Voilà, si c'est là, vous voyez. Et ils sont tous comme ça, hein. Donc, je pense que cette tournée-là, c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment beaux niveau couleur. J'ai adoré. Mais bon. Et celui-là qui est en forme spéciale. Lui, il est un peu plus dur, mais le problème, c'est que bah, la résine, elle n'a pas été jusqu'au bout, en fait. Donc, j'ai peur qu'à la longue, à force d'en faire, bah, le bout, il ne tienne pas, en fait. Le bout, il résiste pas. Donc, cette tournée de stylet, bah, c'est pas la peine. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Là, j'ai regardé, j'ai trouvé un site Résine Pro. En fait, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse que je suivais pour le DP qui s'est lancée aussi dans la résine. Et elle avait mis les liens de ses vendeurs là où elle achetait sa résine. J'ai regardé un peu. Donc, c'est Résine Pro. Et je pense que je vais faire ma commande chez eux. Je vais prendre ma résine chez eux parce que je pense qu'en fait, ma résine, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, voilà. Allez, on regarde les diamants de ce petit gnome. Alors, nous avons... Oh, il y a pas mal de choses quand même, hein. Oh, il y a des diamants spéciaux et des diamants qui vont briller. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. Allez, on y va. Donc, nous avons... Hop. Hop, ça sera bien. Du rose. Des espèces de gouttes un peu miroir. On a des petites étoiles argentées. Des petites étoiles couleur or. Des petites étoiles violettes. Des gouttes, des demi-gouttes bleu turquoise. Nous avons des diamants ronds rouge clair, rouge foncé, bleu ciel, violet, mais ils sont, vous voyez, la pellicule aurore boréale, je crois que c'est ça. Ouais. Nous avons du blanc cassé, je pense que vous le voyez bleu. Ah oui, il est bleu, exact. Du bleu, du rouge orangé et du vert. Donc voilà pour ce petit gnome. Alors, je vous donne le prix. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos de la société. Donc le prix, je l'ai noté sur mon petit cahier. Donc, je répète, c'est le site New Craft Day. Ça a été envoyé le 18, je l'ai reçu le 25. Et il est au prix de 12,85 €. Donc, ça va. C'est raisonnable pour que je vois la taille du petit gnome. Franchement, c'est ouais, non, c'est bien. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Sinon, demain, je vais faire une nouvelle face de la boîte à mouchoirs en vidéo. Comme ça, je vous la posterai pour le week-end. Puisque ce week-end, moi, je ne suis pas là de tout le week-end. Et puis, c'est tout, ouais, je pense. Ouais, ce sera tout. Et ben écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aussi bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Je m'ai sorti de la tête. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit bye bye. À bientôt.